Au nom de Jésus, frère, je prie que Dieu puisse mettre des anges devant ta porte, dans ta chambre, dans ta maison, et que ta maison soit saturée de la présence de Dieu. Que tes enfants puissent dormir, ils se réveillent avec des songes, avec leur interprétation. Que ton enfant te regarde et qu'il puisse te dire, papa, Dieu m'a dit ne sors pas aujourd'hui. Que personne ne peut donner à mes enfants la sorcellerie, personne ne peut donner. Tu donnes les biscuits, ça ne fera rien. Tu donnes la viande, ça ne fera rien. Jamais, jamais. Pendant qu'il veut manger, l'ange de Dieu touche cette nourriture et la purifie et la sanctifie. Il y a des anges qui marchent dans ma maison. Il y a des anges qui marchent dans ma maison. Moi, je crois. Amen. Dites surnaturel. Et le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Lorsque Dieu opère dans le surnaturel, il est dans son naturel. Oh, donne-moi la main. C'est comme quand, comme un animal me voit parler. Il trouve que c'est surnaturel, mais c'est mon naturel. Et quand Dieu fait des miracles, c'est son naturel. C'est pourquoi si tu as le Dieu Tout-Puissant, le surnaturel deviendra naturel dans ta vie, parce que c'est l'ordinaire de Dieu. C'est l'ordinaire de Dieu. Voici les expériences surnaturelles qui sont arrivées dans la maison de Corneille. Un, il était en train de prier, pouf, il a une vision. Les visions, dites vision. Deuxièmement, il voit un ange, dites ange. Alléluia. Troisièmement, la Bible dit, les regards fixés sur lui, fut saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, l'ange lui parla. Des révélations. Et quel niveau de révélation? Vous qui avez les précisions, allons étudier ces précisions. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Écoutez maintenant, envoie maintenant des hommes à Joppé, le lieu est connu. Et fais venir Simon, le nom est connu. Surnommé Pierre, le surnom est connu. Quel détail! Quelle frappe chirurgicale! Il est logé chez un certain Simon, deux Simon. Précision! Il y a un Simon qui a logé un Simon, mais le vrai Simon dont tu as besoin s'appelle Pierre, ce n'est pas le corroyeur. Précision! Que des paroles de connaissance tombent dans ta maison, que tes enfants prophétisent, que ton mari prophétise, que ta femme prophétise, que Dieu te révèle les choses exactement, exactement sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari, exactement, exactement. Alléluia. Oh, il y a une fois, on m'a raconté l'histoire d'un pasteur. C'est un militaire qui est devenu pasteur. Il avait un don de parole de connaissance terrible. Et les garçons voulaient épouser ses filles. Et des fois, les frères voulaient toujours épouser l'enfant du pasteur. Et venaient des fois visiter le pasteur, mais pour la fille. Et pasteur, j'aimerais avoir des livres. Pasteur, la Bible dit, mon fils, tu n'es pas venu pour moi. Dieu me dit que tu es venu pour ma fille. D'ailleurs, derrière, dit, ah, pasteur, toi, tu vois tout. Un papa prophète. Que cela t'arrive. Que tu puisses lire dans les cœurs de tes enfants. Que tu puisses lire dans le futur de tes enfants. Que tu puisses lire dans le cœur de ton mari. Que tu puisses lire dans le cœur de ta femme. Que Dieu te donne la révélation de tes visiteurs. Et que Dieu te donne la révélation de qui est venu te détruire et qui est venu te construire. Que Dieu te révèle les années qui arrivent. Que Dieu te révèle le futur de tes enfants. Et que Dieu te permette de connaître ce qui va arriver par la vision, par la prophétie, par la parole de connaissance. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Le surnaturel, que des anges tombent dans ta maison et que les démons soient chassés. Je déclare que les anges tombent dans ta maison et que les démons soient chassés. Non aux oppressions, non aux oppressions, mais oui à la présence des anges. Au nom de Jésus, frère, je prie que Dieu puisse mettre des anges devant ta porte, dans ta chambre, dans ta maison, et que ta maison soit saturée de la présence de Dieu. Que tes enfants puissent dormir, ils se réveillent avec des songes, avec leur interprétation. Que ton enfant te regarde et qu'il puisse te dire, papa, Dieu m'a dit ne sors pas aujourd'hui. Que Dieu te donne cette dimension de pouvoir dire à ta fille, ce n'est pas l'homme de ta vie, le Seigneur m'a dit cela. Que Dieu te donne la dimension de pouvoir percer le futur afin de révéler ce que Dieu veut. Lorsqu'une maison est remplie de Dieu, il y a le surnaturel. Alléluia. Oh, dernièrement, on a eu une telle expérience. On était en train de dormir. Maman Blanche a eu une vision précise. Et vous savez quoi? Une petite fille qui avait dormi à la maison a eu le même songe. Le même. L'enfant voit, la maman voit. Pareil.
la même nuit, même rêve à deux personnes qui ne sont pas dans la même chambre. Quand Dieu remplit ta maison, personne ne pourra venir et te détruire comme ça. Quand Dieu remplit ta maison, tu ne vas pas faire les choses au hasard. Quand tu pries, le ciel entend. Oui, tu ne pries pas devant un ciel qui est fermé. La Bible nous dit que le voile du temple était déchiré de haut en bas. Jésus-Christ a déchiré le voile du temple. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Je prie que Dieu communique les dons spirituels à vos familles au nom de Jésus-Christ. S'il y a des caméras dans les entreprises, tu dois devenir la caméra de Dieu dans votre maison. S'il y a des caméras dans les bureaux, tu dois devenir la caméra de Dieu dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Et si ton don de vision n'opérait plus, qu'il soit restauré de la même manière qu'on répare les caméras. Que Dieu te répare, que Dieu te répare, que Dieu te répare. Les sorciers t'ont attaqué parce que tu les as attrapés, mais aujourd'hui le Seigneur te répare. Les sorciers t'ont attaqué parce que tu les as attrapés, aujourd'hui le Seigneur te répare. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Je sens l'onction. Alléluia. Corneille connaissait le nom de son visiteur avant que son visiteur ne vienne. Il connaissait l'adresse de son visiteur avant que le visiteur ne vienne. Hey! Il connaissait même où, chez qui habitait son visiteur avant que le visiteur ne vienne. Un ange est venu pour ça. Je refuse que dans ma maison, qu'il y ait des étouffements spirituels. Non. Je refuse que les démons se baladent dans ma maison. Non. Je refuse que les sorciers puissent voler sur mon plafond. Non, je refuse tout ce qui est malédiction, tout ce qui est démoniaque. Non, je veux le surnaturel de Dieu. Je veux l'onction, je veux la présence, je veux des guérisons miracles. On dit que ton enfant a une maladie incurable. Le Seigneur le guérit et le médecin témoigne que tu as Dieu. Vivez des miracles de guérison dans vos maisons. Vivez des miracles de guérison dans vos maisons. Vivez des miracles de guérison dans vos maisons. Oh, glory! Ma dernière fille, quand elle est née, mes frères, tous les pronostics étaient qu'elle devait mourir. Et on nous a dit qu'elle devait mourir. Pendant qu'on voulait pleurer, j'entends une voix au dehors de moi me parler. Dehors! Ne pleure pas! C'est toi l'autorité spirituelle. Décide sur l'enfant. Waouh! Refuse qu'elle meure. J'ai dit, je refuse, ma fille ne mourra pas. Va à l'hôpital! Je vais à l'hôpital. On l'avait mis dans une couveuse sous photothérapie. Et je ne pouvais pas entrer. Il y avait une vitre entre moi et elle. Dieu m'a dit, je traverse la vitre. Prie au travers de la vitre. J'ai prié. Aujourd'hui, elle est vivante, intelligente, belle. À la grande confusion des médecins. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas cru en une histoire. Vous avez cru à un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu réel. Décide sur tes enfants, décide sur ta femme, décide, décide, décide. Tu as le droit d'opérer dans le surnaturel parce que ton Dieu est surnaturel. Là où il y a la présence de Dieu, les anges de Dieu viennent. Moi, je crois que devant ma maison, il y a un ange comme ça. Au-delà des gardiens, non, moi j'ai des anges comme ça. Moi je crois quand je dors, il y a des anges qui se tiennent les mains et qui me regardent comme si j'étais dans un berceau. Oh, donne-moi la main, moi je le crois. Aucun démon ne peut me toucher dans mon sommeil, hein, jamais. Aucun sorcier ne peut me toucher dans mon sommeil, jamais, jamais, jamais. Je ferme les portes d'entrée des démons dans ta vie. Je ferme les portes d'entrée des démons dans ta famille. Je ferme les portes d'entrée au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Je ferme, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme au nom de Jésus-Christ. Un jour, on a pris une bonne. On prend la bonne, elle vient habiter la maison. Elle-même, elle fuit, elle fuit, elle fuit. La sorcière a fui elle-même. Tu prendras un travailleur qui est venu en mission, le feu le brûlera. Et Dieu te révélera ce qu'il est venu faire. Tu prendras une bonne qui est en mission, elle ne pourra pas opérer, elle ne pourra pas. Elle va te demander son salaire, elle partira, elle ne reviendra plus jamais. Un sorcier peut être engagé, même s'il prépare pour tes enfants, ils n'attraperont jamais la sorcellerie.
Personne ne peut donner à mes enfants la sorcellerie. Personne ne peut donner. Tu donnes les biscuits, ça ne fera rien. Tu donnes la viande, ça ne fera rien. Jamais, jamais. Pendant qu'il veut manger, l'ange de Dieu touche cette nourriture et la purifie et la sanctifie. Il y a des anges qui marchent dans ma maison. Il y a des anges qui marchent dans ma maison. Moi, je crois qu'il y a des anges qui marchent dans ma maison, qui sont derrière mes enfants. Partout, ils sont. Un jour, je sortais de ma chambre, je sens quelqu'un me taper ici, pas. Et il me dit, je suis l'ange qui accompagne ceux qui marchent dans la sainteté. J'ai entendu, et quelqu'un m'a tapé, qui m'a vraiment tapé. Il n'y a pas que des démons, mes frères. Les anges sont plus nombreux que les démons. Le un tiers des anges a suivi le diable, donc le deux tiers est resté fidèle. Donc si tu as face à toi un démon, tu dois avoir au moins deux anges, mathématiques, spirituels. Mais plus tu sers Dieu, plus tu sers Dieu, tu ajoutes les délégations. Tu ajoutes. C'est comme ça qu'il y a des gens, tu vois, il vient lui-même, mais tu sens qu'il est venu avec beaucoup de gens. Il y a des gens comme ça. Tu le sens, il est seul, mais tu sens qu'il est accompagné, il a beaucoup d'anges. Il marche avec une armée. Élie, on l'appelait comment? Char d'Israël et sa cavalerie. Cavalerie. Un jour, il a ouvert les yeux à son disciple et il a vu quoi? La montagne était remplie de chars. Élie marche avec une armée. Sur mon avenue, on vient de nommer quelqu'un. Maintenant, il y a beaucoup de militaires. Il y a des jeeps depuis qu'on l'a nommé. Il est devenu ministre, il y a beaucoup de gens. Mais toi, tu as toujours été enfant de Dieu. Si Dieu t'ouvre les yeux, devant chez toi, il y a une tente angélique. Parce que l'ange de l'Éternel campe. Il y a des tentes d'anges. Oh, donne-moi la main. Il y a des tentes des anges devant chez toi. Maintenant, si un autre chrétien, il y a encore des tentes. Si toute la venue des chrétiens et les anges causent entre eux, c'est comment? Moi, il dort déjà. Ah, le mien, il ne dort pas encore, il prie. Oh, donne-moi la main! Et des fois, ils causent entre eux. Eh bien, nous, bientôt, on voyage. Oh, comment? Oui, on va en Côte d'Ivoire parce qu'ils voyagent. Ok, on va se revoir au retour. On va en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, mais vous n'êtes pas aussi nombreux que d'habitude. Certains ont déjà précédé là-bas pour baliser la route. Ouais, c'est ça qui arrive, mes frères. C'est ça qui arrive. Dieu dit à ses serviteurs, je te précéderai. Ah, tu ne sais pas que Dieu lit ton agenda? Dieu lit vos agendas. Avant que tu viennes à l'église, ton ange était déjà ici. Il y a une délégation qui était avec toi, une autre est restée à la maison, une autre t'a précédé. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils du roi, tu es plus que le prince d'Angleterre. Oui, tu es plus que le prince d'Angleterre. Il y a des anges chez toi, il y a des anges ici, il y a des anges à côté de ta voiture. Il y a des... Mais oui, vous ne croyez pas ça? Ta maison, c'est un lieu de rencontre. Où tes enfants viennent. Hey, papa, Jésus m'est apparu. Tu as vu Jésus, oui. J'ai vu jusqu'ici, mais au niveau du visage, je n'ai pas vu. Pendant qu'on priait dans le culte, j'ai senti le Saint-Esprit, papa. C'est ça qu'il faut dans nos maisons. J'ai vu un ange là-bas, papa. C'est ça les conversations dans une maison des enfants de Dieu. C'est ça notre appel, c'est ça la vraie vie chrétienne. Un jour je priais, et puis Blanche m'a dit, j'ai vu, pendant que tu priais, il y avait un ange là à côté de toi, un autre là, c'est édifiant. Et ça te fait respecter auprès de ta femme. C'est respectueux. Elle voit que son mari, on ne joue pas. Et c'est bien Zamba là que ça rappellera bon mingi mingi. Imagine que ton enfant un jour te voit là pendant qu'il cause avec toi. Il voit derrière toi.
quelqu'un. Et les enfants de Jacob ne blaguaient pas avec Jacob. Hein. Ils savaient que c'était un homme qui pouvait se battre avec des anges. Il dit, papa, comment tu t'appelles Israël? Je me veux raconter l'histoire de mon nom. Un jour, je me battais avec un homme. Non, c'est avec un ange. J'ai combattu toute la nuit. Et l'ange m'a frappé là. Ah, papa, c'est pourquoi tu boites? Oui, c'est pourquoi je boite. Mais depuis, je suis devenu puissant. Quand je dis une chose, elle arrive. Et toi, Judas, tu vas engendrer des rois. Et cela est arrivé. Nous avons la grâce d'être chrétiens et de faire vivre à nos enfants des choses exceptionnelles. Nous avons eu des parents qui ne connaissaient pas Dieu, mais nous connaissons Dieu. On peut avoir des enfants qui vivent des choses extraordinaires. Vous savez, quand je joue avec mes enfants, n'importe quel jeu, si je commence à parler en langue, ils disent, papa, tu triches. Pourquoi? Tu commences à faire entrer Dieu, comme ça tu vas nous gagner. Ils savent que quand papa prie, ça marche toujours. Ils appellent par là, là, papa tu triches. Ah non, pas le surnaturel, pas le ça. Ah papa tu commences à tricher. Pourquoi? Parce que tu parles la langue. Et je t'assure, quand je parle la langue, hey! Oui mes frères, c'est, il faut vivre, faire vivre ça à nos enfants. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu vivant. Lorsque Corneille a invité Pierre, il a dit à ses enfants, un ange m'est apparu, nous allons recevoir un visiteur. Oh papa, quel visiteur? Il s'appelle Pierre. Il est chez le corroyeur. Et quand Pierre entre à la maison, il dit, hé papa, comme tu as dit, vous pensez que les enfants de Corneille allaient blaguer avec Dieu? Je n'ai jamais nagé de toute ma vie, mes frères, jusqu'à l'âge que j'ai. Mes enfants nagent, nagent, ils ont appris. Et puis on a construit une piscine à la maison. Je la regarde comme ça, là j'ai peur de m'y jeter. La nuit, le Seigneur m'apprend à nager. Oui, il me montre comment on nage. Et puis j'ai dit, je nage aujourd'hui. Il dit, hé papa, je nage. J'entre et je nage jusqu'aujourd'hui. Oui, je nage bien. Et puis mes enfants disent, tu as nagé? J'ai nagé. Tu as appris où? Le Saint-Esprit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il m'a révélé que l'eau n'est pas l'eau. L'eau est un coussin. Oh papa, l'eau c'est un coussin. Oui, Dieu m'a révélé que l'eau est un coussin et l'eau n'est pas mon ennemi. Et je vous assure, ils savent que leur papa est surnaturel. Là où il y a Dieu, il y a des prophéties. Une maison qui a Dieu, on prophétise, on parle de la part de Dieu. On a des songes, on a des visions avec des explications. On a des guérisons miracles. Des choses que l'homme ne peut donner arrivent dans cette maison. Les parents deviennent les prophètes de leurs enfants. Les parents deviennent la source de bénédiction. Vous savez, il y a des enfants. Tu peux lui dire, tu es maudit, tu ne me maudiras pas, mon père m'a béni. Il y a des enfants comme ça, ma mère m'a béni, mon père m'a béni, tu ne me maudiras pas. Pourquoi? Ils ont vu plusieurs fois les paroles des parents arriver. Célibataire, vous avez la grâce. Tu as la grâce de bâtir ton foyer sur des choses pareilles. Ta femme est enceinte même d'un jour, tu lui imposes les mains. Rekamayagasea. Impose les mains à la grossesse de ta femme. Tu commences à imposer les mains. L'enfant entend le parler en langue. Quand il sort, il t'attend parler en langue. Il a la paix. Les enfants entendent la musique. Ils entendent à un certain moment. Ils commencent à entendre. C'est pourquoi les enfants dont les mères ont été malmenées naissent avec des blessures intérieures. Mais aussi l'enfant peut naître sachant qu'il y a une autre langue. N'est-ce pas que Marie et Elisabeth se sont saluées et Jean-Baptiste a tressailli? Les choses spirituelles des mamans ont touché les enfants. Zamba Zalaka. Zamba Zalaka. Oh, il me dit de m'arrêter là d'ailleurs. Lévons-nous. Alléluia. Oh, le surnaturel.